الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا وكم من ضال تاه قد هدو فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم وأصلي وأسلم على نبينا محمد amma ba'd chers en islam comme vous le savez certainement dès son plus jeune âge shikh al albani rahimahou ta'ala était un passionné de lecture et il lisait tout ce qui lui passait sous la main il aimait particulièrement les romans policiers qui étaient traduits en arabe comme les aventures d'arsène lupin entre autres et un jour il tomba chez le libraire sur un journal, une revue qui s'appelait al manar Manar que l'on pourrait traduire comme la lanterne. Ce journal, il a été fondé par Sheikh Mohamed Rashid Rida Allah lui fasse miséricorde Mohamed Rashid Rida, c'est un savant libanais qui est mort en Égypte en 1935. Donc il tomba sur cette, sur cette revue, sur ce journal dans lequel il y avait un article qui parlait du livre Ihya Ulum ad-Din que, pour, que l'on pourrait traduire euh, comme les, la revivification des sciences religieuses. Ihya c'est un livre très connu, très célèbre, de l'imam Ibn Hamid euh, al-Ghazali. C'est un savant du 5e siècle de l'Égir, qui est mort en 505 de l'Égir, euh, en Iran actuel. Donc, le Sheikh al-Albani, ala, il est tombé sur cet article dans lequel, euh, Mohamed Rashid Rida, il faisait la description de ce livre. Donc, il parlait du livre Ihya ulum -Din". Et il a cité ses qualités, mais il a également aussi cité les défauts du livre. Et les choses euh, qui n'étaient pas bonnes à prendre dans cet ouvrage. À cette époque, le Al-Albani, ala, comme il le dit lui-même, il dit j'avais pas plus de 16 ou 17 ans. Donc il était relativement jeune. Le Chirk, il décida de se procurer l'ouvrage original, parce qu'il a été très intéressé par le style d'écriture euh, de, de, de l'auteur, donc euh, le Chir Abu Hamid Al-Ghazali, il a dit Tiens, je voudrais bien revenir à l'ouvrage original. Le problème, c'est qu'il n'avait pas les moyens d'acheter ce livre. Euh, il était de, de conditions modestes. Et donc, il n'avait pas les moyens d'acheter ce livre à cette époque. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti à la bibliothèque, il l'empruntait. Et la version qu'il emprunta, elle était accompagnée de la correction de Al-Hafidh Al-Iraqi, rahimahullah. Al-Hafidh Al-Iraqi, c'est Zaynuddin al iraqi C'est un savant notoire qui est très connu, qui est mort en 806 de l'Égypte. C'est un spécialiste du hadith, un hadith. Et euh, pour preuve, c'est l'un des professeurs de Al-Hafid euh, ibn Hajar al-Asqalani, ala, celui qui a fait euh, l'explication et le commentaire de Sahih al-Bukhari. Donc, euh, dans la version que, que, que Sheikh al-Albani ala, s'est procuré. il y avait la correction de Al-Hafid al-Iraqi. Et Al-Hafid al-Iraqi, qu'est-ce qu'il a fait Il a résumé la correction de, du, du livre Al-Yahya, Yahya al-Umaddin. Dans un autre ouvrage qu'il a intitulé al Al-murni An Hamli Al-Asfar Fi Jima fil Ihya'i Min Al-Asfar. Al-Bani, il a voulu se procurer ce livre également. Et comme il n'en avait pas les moyens, qu'est-ce qu'il a fait Il a recopié ce livre intégralement, du début à la fin à la main. Il a recopié le livre du début à la fin à la main. Et d'ailleurs, euh, un de ses élèves, le sheikh Ali Al-Halabi, il a dit « J'ai vu, moi, cette version manuscrite euh, recopiée par sheikh Al-Albani, ala, en quatre volumes, qui faisait plus de 2000 pages. » Donc le sheikh Al-Albani, ala, il fut étonné de la qualité d'écriture de son livre et de son contenu. Mais, comme il le dit lui-même, il dit eh « on peut lui faire trois reproches. Le premier reproche, c'est que son auteur... Donc, euh, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il est de croyance ash'arite C'est-à-dire que, concernant les, les, certains attributs d'Allah, il les interprète. Et il ne les explique pas comme le faisaient les salaf. Le deuxième reproche qu'on peut lui faire, c'est que dans euh, la spiritualité, euh, il penche, il tend vers un soufisme. Un soufisme qui est exagéré parfois. Donc, ça, c'est le deuxième reproche que qu'on peut faire à l'auteur. Et, et le troisième reproche c'est que son livre, il est rempli de hadiths faibles et parfois même de hadiths mensongers et complètement faux, qu'on n'a pas le droit d'attribuer au prophète. Alayhi wa sallam. Et c'est de là, c'est de cet ouvrage qu'est né l'amour des hadiths, l'amour de la correction, l'amour de la révision des hadiths du prophète alayhi wa sallam, chez le Sheikh al-Albani ta'ala. Plus tard, le Shir al-Albani... Il a entrepris donc de, de prévenir les musulmans, de les mettre en garde contre les hadiths faibles et faux qui étaient répandus dans la communauté, qu'il lisait parfois dans certains ouvrages ou qu'il entendait à la mosquée de certains prêcheurs ou de certains imams le jour du vendredi ou dans certaines interventions, dans certains cours et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a publié dans un, dans un autre journal qui s'appelle « Al-Tamaddoun al-Islami ». C'est un journal qui a vu le jour à Damas, en Syrie. Donc, comme vous le savez, on l'a déjà dit, Cheikh al il a vécu une grande partie de sa vie en Syrie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à publier une série d'articles dans lesquels il mettait en garde contre les hadiths faibles ou des hadiths mensongers euh, qui étaient répandus euh, dans la communauté et qui étaient faussement attribués au prophète. Alayhi wa sallam. Au fur et à mesure euh, de ses publications, il a vu que le nombre de hadiths qu'il publiait il ne cessait d'augmenter. Quand il est arrivé. À un certain nombre. Qu'est-ce qu'il s'est dit Il s'est dit pourquoi ne pas les, les compiler dans un livre plutôt qu'ils restent comme ça de simples articles de journaux. Il a dit pourquoi ne pas les, les compiler dans un livre. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a commencé à, à, à réunir, à ramasser, à compiler tous les hadiths qu'il publiait dans cette, dans cette revue, dans ce journal, la Tamaddun Islami, dans un livre qu'il a intitulé « Wal Wa atharuha As fil-umma Ummah. Donc c'est la, la, la série de hadiths la chaîne de hadith faible ou mensonger ainsi que ses mauvais effets, les mauvaises conséquences qu'elles ont dans la communauté. Ce livre, donc euh, plus tard, euh, il a été imprimé en 14 volumes et il contient plus de 7000 hadiths. Il a été compilé, en, en, il a été imprimé en 14 volumes et il renferme plus de 7000 hadiths. Tous ces hadiths sont, sont faibles ou faux ou mensongers, euh, et faussement attribué au prophète. Alayhi Ensuite, il s'est dit bon, j'ai mis en garde la communauté contre les, 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 les faux hadiths ou les hadiths qui sont faibles, mais il, faut, il ne faudrait pas aussi, ne faudrait-il pas également leur transmettre, propager les hadiths authentiques du messager d'Allah Et c'est ce qu'il s'est entrepris de faire. Donc il a commencé à propager des hadiths, euh, hadith des hadiths authentiques, des hadiths bons, des hadiths valables. Euh, qui pouvaient être pris comme, comme argument dans ce même journal. Et arrivé au nombre de 500, eh bien il s'est dit la même chose. Il s'est dit pourquoi ne pas compiler ces hadiths dans un livre. Et euh, ben c'est comme ça qu'a vu le jour cette deuxième série, donc la série ou la chaîne de hadiths authentiques accompagnée, suivie euh, de certains de ses enseignements et certaines de ses, de ses leçons. Et ce livre que nous avons devant nous, Silsila al Ahadith al-Sahihah, eh bien, il a été imprimé en sept volumes et renferme plus de 3000 hadiths authentiques. Et à travers ses écrits, à travers ses publications, l'auteur, Rahimahullah, il n'a pas suivi un ordre précis. Il s'est pas donné un ordre particulier. C'est pour ça qu'on constate que dans ces deux séries, dans ces deux silsila, les hadiths ils partent un peu dans tous les sens. Parce que ça n'a pas d'ordre de, de, particulier, il n'a pas respecté euh, une publication particulière. Donc parfois il y a des hadiths sur la croyance, parfois on va trouver des hadiths sur la prière, et ensuite ça va sur le mariage, et ça parle sur l'héritage, et ainsi de suite. Il n'y a pas d'ordre particulier. C'est pour ça qu'après sa mort, euh, son élève, le chirk Abu Ubeyda, ibn Hassan al-Salman, qu'Allah le préserve, il a euh, écrit ce livre-là, que vous voyez devant vous. C'est le Silatul Ahadith al sahihah mais Murattaba, Qu'est-ce qu'il a fait en fait Il a pris les hadiths de Silsilatul Ahadith Sahiha et là il les a classés. Il les a ordonnés selon les chapitres juridiques. Donc euh, le chapitre de la foi, le chapitre des ablutions, le chapitre de la prière, le chapitre de la zaquette du jeûne, du pèlerinage, du mariage, du divorce et ainsi de suite. Et les chapitres là ils sont ordonnés selon l'ordre alphabétique. Ils sont ordonnés selon l'ordre alphabétique. Euh, donc, ils sont bien ordonnés, ils sont bien classifiés pour en faciliter l'accès euh, donc aux lecteurs, aux prêcheurs et à ceux qui, qui, qui voudraient euh, y revenir de façon plus simple. Voilà de manière très brève et résumée un aperçu euh, de ce magnifique ouvrage et de cette œuvre magistrale et immense euh, que nous a légué le cheikh al albani euh, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. ليه نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لشيخ الألباني وأن يرحمه وأن يرفع درجاته في الفرد في الفردوس الأعلى من الجنة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه